En 2019-20, on était tous à travailler sur l'appropriation en équipe du cadre de référence de la compétence numérique et de l'enseignement à distance dû au Covid, parce que dans le fond, ça a eu un impact sur le rôle et le mandat du conseil pédagogique. Donc en 2020-21, on s'est principalement consacré à l'accompagnement à distance, puis ça a été aussi un moment pour faire un temps d'arrêt, pour réfléchir, échanger et voir comment on allait agir dans ce nouveau contexte. Puis en 2021-22, on est rendu à l'étape du transfert en salle de classe et la poursuite donc du développement des différentes dimensions de la compétence numérique qu'on a acquis pendant cette période un peu particulière. Donc, pour commencer, je vais vous présenter l'an 1, qui était une année plus de formation pour mieux intégrer le numérique en formation et en accompagnement dans la discipline du français. Ça s'inscrivait dans le contexte du plan d'action du numérique. Alors, pour faire une histoire assez brève, au départ, j'avais eu la chance de participer à un atelier sur le domaine des langues avec Joanne, qui présentait différents ateliers justement sur comment exploiter le numérique en salle de classe. Et j'avais été particulièrement inspirée par un atelier où on travaillait la lecture interactive en utilisant les TIC, mais moi, j'y voyais d'autres avenues pour des pratiques que je travaillais avec les enseignants. Dans mon équipe, où on est composé de 7 conseillers pédagogiques du centre de service, juste en français, et on travaille beaucoup en collaboration avec les bibliothécaires, depuis quelques années, on se cherchait un projet commun pour travailler ensemble et développer un petit peu nos pratiques. Et donc, j'ai fait cette proposition à l'équipe, puis ça a été accepté. Tout le monde avait de l'intérêt pour se lancer dans cette grande aventure, les bibliothécaires y compris, et notre conseillère pour l'éthique, donc Nadine, et Joanne est venue se joindre à l'époque à ce projet-là, à ce beau projet. Dans un premier temps, on a eu à mettre en commun nos connaissances, qui étaient très différentes d'une personne à l'autre. Hein. On partait vraiment de points de départ différents, mais on avait quand même cet intérêt commun. Alors au départ, c'était un intérêt commun, puis vous allez voir au fil de nos témoignages comment on en arrivait plus à un engagement commun, un engagement, une adhésion de tous. C'est certain que la première année, on avait des petites contraintes, des petits désengagements qui relevaient différentes choses. Ah, finalement, ce n'était pas ce que je pensais, donc ça pouvait avoir un impact sur notre intérêt. Ou bien ça pouvait encore se traduire par des modalités de travail qui convenaient plus ou moins, ou des choses qui se jouaient au niveau du sentiment de compétence. Il a fallu qu'on travaille ensemble à réajuster au fur et à mesure les modalités du projet pour que tout le monde reste engagé. La façon dont on travaillait, le matin, on était plus dans la théorie et l'après-midi, on était plus dans la pratique. Et il a fallu donc, comme je vous disais, dans un premier temps, faire un état de notre niveau d'aisance au niveau du numérique. Alors, on va vous présenter quel outil on a utilisé pour ça. Bien, pour travailler avec les CP, on a utilisé l'échelle de Rabi. Puis, elle a été ajustée. Le modèle qu'on a choisi avec Julie, c'est une adaptation. Mais c'est un cadre qui est aussi de la recherche puis sur lequel on peut s'appuyer pour se situer dans le développement de notre compétence numérique. On n'avait pas encore le cadre de référence à compétence numérique. Là, il a été publié pas longtemps après. Donc, tant qu'à s'appuyer sur quelque chose, on est allé sur celui-là. Puis, il est quand même parlant. Puis, les énoncés sont faciles à ajuster pour avoir des manifestations observables de ce que ça veut dire dans la vraie vie pour un conseiller pédagogique, par exemple. Il y a les 4 stades de développement, il y a des énoncés qui sont axés sur les pratiques des enseignants, mais les conseillers pédagogiques pouvaient facilement s'y situer. Comme Sylvia vous l'a dit, quand on a débuté cette démarche-là, on était tous à des niveaux différents dans l'utilisation des TIC, soit au niveau personnel ou au niveau professionnel. Donc, dans mon cas, si je décris un peu ma situation il y a 4 ans maintenant, moi, j'utilisais les TIC surtout pour communiquer par courriel avec mes collègues et avec des enseignants ou des directions avec lesquelles je travaillais. Je préparais mes outils d'accompagnement en utilisant Word, PowerPoint, mais c'était pas mal limité à ça. Juste pour vous dire, j'avais encore un agenda puis un cahier de notes, papier-crayon que j'utilisais dans mes rencontres et dans ma vie professionnelle. Puis dans mon utilisation personnelle,
je faisais une petite utilisation des réseaux sociaux. Donc, si on regarde les niveaux de rabis, où est-ce que vous pensez que je me situais, là? C'était vraiment plus personnel, là, dans mon cas, en tout cas. Mais on vous rappelle qu'on était tous à des niveaux différents. J'avais certaines de mes collègues qui étaient pas mal plus expérimentées que moi. C'était un beau défi. Donc, quand on a bâti ce projet-là, quand on a pensé à ce projet-là, on s'est assuré, bien entendu, de s'appuyer sur des cadres officiels pour légitimer un peu auprès de notre organisation le choix de ce sujet de développement professionnel-là. Donc, les trois orientations du plan d'action numérique du ministère nous ont servi justement à nous appuyer puis à rendre ça plus officiel, dans le fond. Donc, l'orientation 1, développement de nos compétences numériques. Orientation 2, valeur ajoutée à nos pratiques d'accompagnement. Et orientation 3, environnement propice au déploiement du numérique. Dans le cas de l'orientation 3, on voulait vraiment servir de modèle aux enseignants et à nos collègues dans le déploiement du numérique. Pour rendre ça encore plus contextualisé à notre centre de service, on est allé aussi s'appuyer sur le plan d'engagement vers la réussite. Donc, dans notre PVR au CSSPI, on a deux objectifs d'une des orientations du plan d'engagement qui touche particulièrement notre projet. Donc, bonifier nos offres de formation et d'accompagnement par l'utilisation des technologies et aussi assurer l'utilisation du numérique en contexte d'apprentissage et d'évaluation. Là aussi, comme pour le plan d'action du numérique du ministère, c'est par la modélisation en contexte d'accompagnement qu'on visait cet objectif-là. Marie-Josée, qui travaille au récit en adaptation scolaire, elle dit que l'utilisation que tu faisais du numérique, elle était en réponse à tes besoins et à tes connaissances à ce moment-là, quand tu parlais de où tu étais il y a 4 ans. Mmh. Joanne a dit qu'on travaille en cohérence. Oui, tout à fait. Puis tu vas voir le cheminement le plus... maintenant, nos heures du jour, hein, on est rigoureuses pour vraiment tenir compte de leur plan d'action tout le temps, tout le temps. Alors, un bilan de notre premier bilan d'an 1, dans le fond, moi, je suis arrivée à Miami avec les filles et, dans le fond, ils ont commencé à intégrer des outils techno dans les classes et dans les formations. Il y a eu un premier contexte d'accompagnement dans un milieu pour animer des lectures interactives à l'aide du numérique, tout en mettant de l'avant la compétence communiquer oralement. Mais c'est un besoin du milieu. C'est pas « OK, on va essayer pour essayer ». Non, c'était un besoin dans le milieu où Sylvia accompagnait. Alors, il y a eu plusieurs lectures interactives, mais on a documenté une en particulier qui a été réalisée à partir de l'album « Le secret du rocher noir ». Et on était dans une classe de deuxième cycle. Il y a eu un enseignement de la communication orale. Dans le fond, cet album-là permettait de parler des problèmes de pollution, d'environnement. On a même utilisé l'extrait d'une vidéo de Campus ONF. C'était collé pour activer les connaissances, puis aussi s'exercer avec la communication orale. L'aspect numérique qui était révélateur, vous connaissez tous l'application Criez-le. Mais là, c'était l'utilisation de Criez-le dans un contexte de français. Puis vous allez voir un peu son pouvoir pédagogique en classe de français. Ça nous permet de classer les types de questions. On va l'essayer ensemble, mais on va l'essayer ensemble après d'avoir écouté la vidéo. Je vais vous donner une intention d'écoute, puis vous allez voir comment les enseignants ont pu manipuler et pouvoir intervenir sur les différentes réponses des élèves en lecture interactive. Alors, c'est Sylvia qui vous parle,
témoigne de son point de vue de conseillère pédagogique. À cette école-là, en plus, on a eu la chance d'avoir une direction aussi à l'heure du dîner qui nous avait donné une entrevue. C'est rare qu'on ait une direction, mais la direction était présente. Elle voulait que ça fonctionne, l'activité. Alors, dans cette vidéo, quelles sont les stratégies gagnantes pour accompagner des enseignants? La façon dont j'ai abordé cet accompagnement, je me suis associée avec Nadine Martel-Otto, qui est notre conseillère pédagogique en TIC, pour voir comment on pouvait intégrer les technologies à une pratique en français qu'on fait depuis très longtemps, qui est la lecture interactive. Je voulais un petit peu revisiter ce dispositif avec l'école parce qu'ils venaient de recevoir une flotte de iPad et je me disais comment on pourrait mettre ça à profit pour apporter quelque chose de plus à l'enseignement en travaillant ce dispositif. Donc, il y a eu un premier temps où je les ai rencontrés pour voir, dans le fond, comment on pourrait revenir sur le sens des quatre dimensions de la lecture, travailler la composition de questions en lien avec ça. Puis ensuite, on a passé une journée qui était plus vraiment de l'ordre de la manipulation de l'outil, le iPad, et le fait de construire l'activité en tant que telle dans Notebook en utilisant l'application, je crois qu'on dit « Criez-le ». C'était une des premières fois que les enseignants manipulaient l'outil en tant que tel. On a passé une bonne journée à préparer l'animation. Le jour où on le vivait en classe, on avait la direction d'école qui était là vraiment pour nous soutenir. Donc, on était plusieurs intervenants dans la classe la première fois qu'on le vivait pour sécuriser l'enseignante. Puis moi-même, quand j'étais en formation, ça m'a demandé de mettre pour la première fois en démonstration devant les enseignants en train de faire une pratique comme celle-là, alors que je ne l'avais moi-même jamais fait auprès des élèves. Même que ma collègue juste utilisait passer d'une application à passer à une caméra autoportante. Elle me disait qu'elle m'avait trouvé bonne parce que c'était une première, puis c'était déjà pas mal d'utiliser une application. Puis là, je m'étais lancée à utiliser les deux sans que ce soit prévu parce qu'on ne s'attendait pas à retrouver des caméras autoportantes. Mais moi, j'ai senti, ça fait longtemps que je suis conseillère pédagogique en français, puis j'ai senti que ça me mettait dans une zone d'inconfort, ça me remettait dans des défis. En même temps, j'ai trouvé l'expérience intéressante parce que c'est des choses comme ça que je veux vivre aussi, mais ça a été, j'étais plus du tout dans une zone de confort sur quelque chose que je maîtrise énormément normalement. Après avoir vécu l'activité, les enseignants le vivaient dans la classe. Ils étaient en équipe de deux et ils animaient la lecture avec les iPads. Puis ma collègue Nadine était là pour tout ce qui était problèmes technologie, s'assurer du bon fonctionnement. Moi, j'étais là plus pour l'aspect pédagogique, animation de l'activité en tant que telle. Et en même temps, j'essayais de prendre le plus possible, de prendre des notes pour faire une rétroaction de qualité. On passait facilement une heure assis ensemble à regarder vraiment ce qui avait fonctionné, ce qui n'avait pas fonctionné dans l'activité, comment elle se sentait à l'aise. Dans un autre temps, on a travaillé sur l'aspect d'évaluation. C'est sûr que moi, j'avais choisi volontairement ce dispositif parce que je voulais m'assurer qu'on ait des traces d'évaluation de la lecture à l'oral. Puis également, ça permettait de travailler la compétence communiquée oralement. Qui des fois est un peu moins travaillé sous forme d'échange. L'accompagnement s'est finalisé de cette façon-là. Il y a eu un engouement assez prononcé, d'après ce que j'ai pu comprendre. J'ai eu du suivi de la part de la direction Annie, qui me disait que les enseignants ont poursuivi, dans le fond, le fait de se questionner sur les quatre dimensions de la lecture, de trouver des livres pertinents pour animer des histoires. Certains ont créé très, très facilement d'autres lectures avec l'application Notebook. D'autres sont restés plus à animer le livre comme on avait l'habitude de le faire, de façon plus traditionnelle. Bonne lecture des besoins du milieu, être accompagné en classe par des CP. Il y a de la collaboration, moi je mettrais ça ensemble. Sortir de sa zone de confort, régulation. Collaborer, en tout cas, ça va ensemble ici. Explorer. Je mettrais ça dans sortir de sa zone de confort, je pense. Prendre le temps de manipuler les outils, puis explorer. Soutien de la direction. Plan d'action. Fait qu'on a lu les besoins du milieu, on a fait un plan d'action.
permettre l'erreur, tant prof que CP, ça, dans quoi peut-être d'en sortir sa zone de confort, je pourrais mettre ça ensemble. Fait que vous voyez un peu, c'est exactement ce que Sylvia faisait. T'sais, elle lisait ce qui se passait, puis elle commentait, puis elle faisait un classement. Puis après ça, ben, on revenait en grand groupe avec les enfants, puis elle le montrait aux enfants que leurs idées y allaient ensemble, t'sais. Puis ça permettait de voir. Les réponses qui se ressemblaient, les réponses qui étaient différentes pour des questions d'opposition, je suis pour, je suis contre. Si y avait eu un bris de compréhension, ça permettait de grossir une réponse puis d'en discuter. Je peux cliquer dessus et les mettre en haut comme ça. Fait que je peux aller voir exactement. Les élèves étaient très curieux de voir les réponses qui s'affichaient pour voir si ça confirmait leurs réponses. Et à la fin, naturellement, il y a des enfants qui m'aidaient à classer les réponses. Pour Maud, ouais. C'est la suite Smart en ligne qu'on utilise qu'on a avec notre licence de Smart Notebook. C'est pour ça c'est Criez-le qui fait partie des outils interactifs. Donc, merci beaucoup de votre participation. On est rendu au bilan de l'an 2. Je te laisse la parole, Marie-Annick. Alors, notre an 2 s'est poursuivi en tenant compte des constats émis lors de notre bilan de l'an 1. Notre but commun était évidemment de poursuivre le développement de notre compétence numérique au travers des différents projets intégrant notre discipline au volet numérique. Pour soutenir l'adhésion de tous au projet, c'est-à-dire notre engagement mutuel, nous avons revu deux choses. D'abord, la structure de travail et ensuite la façon de planifier le contenu. Évidemment, quand on parle de structure de travail, on parle des modalités. Le nombre de jours qu'on voulait accorder, le nombre de temps, nombre de jours, temps accordé au calendrier, bien sûr. La façon de travailler en grand groupe, en sous-groupe, selon les travaux. Toujours aussi, les travaux étaient toujours en concordance, en lien avec ce qui est inscrit à notre plan d'action de développement numérique, comme notre plan d'action au niveau de la discipline du français. Pour ce qui était du contenu, c'est de trouver l'équilibre entre la théorie et la pratique, sachant que la pratique était vraiment nécessaire pour le transfert à l'utilisation, à l'aisance de l'utilisation des outils numériques. De plus, pour assurer une cohérence entre les rencontres, une cohérence aussi entre les CP accompagnateurs du récit et nous, l'équipe CP disciplinaire, on a convenu qu'à chaque fois, un membre de l'équipe disciplinaire rencontrait les CP du récit pour planifier le contenu des rencontres à venir. Ça s'est avéré assez efficace parce que ça répondait davantage aux besoins et ça nous permettait davantage aussi d'accéder ou d'obtenir les effets visés qui étaient convenus à chacune de nos rencontres. Donc, atteindre les objectifs, c'était nécessaire, c'était souhaité et ce fut vraiment les prémices d'un engagement mutuel. Donc, notre an 2, au début de notre an 2, on avait vraiment un sentiment de compétence que chacun avait vraiment beaucoup évolué à la suite des premières expérimentations. Je dois dire encore là qu'on était encore à des niveaux différents, mais on était beaucoup plus confiants. Et on était confiants aussi à se permettre d'échanger autour de nos pratiques, que ce soit même dans les essais-erreurs. Je vous dirais, c'était vraiment intéressant ce partage-là. Et on a aussi mobilisé davantage des outils numériques dans les accompagnements et nos formations. Donc, tout allait bien jusqu'à ce que le confinement arrive. Alors, le contexte COVID, malgré tout, je pourrais vous dire qu'il nous a, il nous a grandement, il a grandement contribué encore à notre développement, de compétences numériques. À cause du contexte, nous, on s'est sentis confiants dans le sens que déjà, quand c'est arrivé le confinement, bien, on avait déjà une banque d'outils ou même un ensemble d'outils numériques sur lequel on avait déjà une aisance. Et on les a mis à profit justement pour nos pratiques collaboratives à distance tout d'abord. Ensuite, évidemment, le contexte d'enseignement à distance est arrivé. Et ben là aussi, encore, on savait sur quoi se pencher, sur quoi se référer pour accompagner les enseignants dans ce contexte-là.
comme on avait du temps, puis qu'on a pu aussi poursuivre nos rencontres avec les CP du récit, on a vraiment profité de ce temps-là pour s'approprier davantage le cadre de référence numérique. On en a fait des lectures plus approfondies, puis des échanges autour du cadre. Donc, bref, le contexte COVID a eu un impact positif sur notre situation professionnelle, puis notre en deux, s'est avéré aussi à innover en pédagogie par le développement numérique en relation directe avec le personnel scolaire et professionnel. Ils ne l'ont pas dit, mais il y avait un pas d'avance par rapport aux autres CP disciplinaires qui, eux, n'avaient pas nécessairement travaillé de cette façon-là, fait qu'ils se sont sentis moins démunis quand il est arrivé le contexte COVID. Si j'aurais dit ça à l'an 1, on va faire une présentation à la FCC, là, ils ne m'auraient pas cru les filles. Là, cet après-midi, elles sont là pour en témoigner. Juste pour compléter, au centre de service, on a demandé aux CP répondants dans les écoles puis aux CP disciplinaires d'être comme en première ligne pour les formations, pour l'école, l'enseignement à distance, utiliser Teams, puis les réunions, puis la visio, puis tout ça. Mais les filles, vu qu'on était, tu sais, il y avait déjà une certaine habileté, on a profité d'un après-midi DDL, on s'est fait comme un plan pour accompagner les écoles, puis fait qu'ils étaient comme moins stressés, là, tu sais, ça a été vraiment différent que d'accompagner d'autres personnes. Il a fallu que moi, j'anime une première fois, puis le faire devant eux pour qu'ils, tu sais, les autres CP, parce qu'ils ne l'avaient jamais fait. Je n'ai pas tout le temps eu à le faire, là, avec mes collègues qui se présentent. Oui, il y avait un pas d'avance. Fait que dans le fond, le bilan de l'an 2, c'est qu'ils ont poursuivi l'intégration des outils numériques en salle de classe, en formation, puis là, on n'avait pas le choix, c'était en virtuel aussi. Il y a eu une réorganisation des pratiques collaboratives et du travail dans un contexte où le travail et l'accompagnement se vivaient à distance. La principale dimension de la compétence numérique était travaillée, mais là, on était pour eux, c'est vraiment adopter une perspective de développement personnel et professionnel avec le numérique dans une posture d'autonomisation. Je l'ai vu passer tantôt dans le clavardage, on est vraiment là-dedans. Il y a d'autres dimensions qui sont sollicitées, ça dépend des projets, selon les besoins des milieux. Ça, cette information-là se retrouve dans nos guides de pilotage. Il y a un second milieu qui avait un besoin, et là, c'était d'enseigner le vocabulaire tout en utilisant les technologies. Alors là, on est parti encore d'un album. J'aime ça, les albums. Alors, on est parti de l'album « Il n'y a pas de place chez nous ». Et il y a eu un enseignement, aussi on s'est appuyé de la recherche, il y a eu un enseignement direct de certains mots de vocabulaire. Et c'était dans une classe de troisième cycle du primaire. Après ça, on a invité les élèves. C'est là qu'on s'est mis à utiliser les outils technologiques. On a créé en co-développement, il y avait Nadine, l'enseignante, la CP français associée, Mélanie qui n'est pas avec nous, un parcours en réalité virtuelle. Ça permettait aux élèves, en fond, de visualiser certains mots de vocabulaire dans différents environnements. Alors ça a été très gagnant. Puis après ça, dans le fond, ce qui est important quand on travaille le vocabulaire, c'est pas juste, OK, j'ai donné ma définition, ça s'arrête là. Là, ça donnait un deuxième contexte, on a une vision. Après ça, on réinvestissait ces mots-là dans plusieurs activités. Et ces activités-là ont été développées en numérique. On s'est beaucoup utilisé, c'est Nadine qui les préparait avec le smart en ligne. Et ça leur a permis de réinvestir ces mots de vocabulaire-là, puis éventuellement, ils ont fait des petites situations là, d'écriture. On aurait aimé ça, que les élèves soient placés dans un contexte de création. Vous aviez vu, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ce midi, Nadine était allée se promener proche de la rivière des Prairies. C'est vraiment, l'école n'était pas très loin aussi. On aurait pu aller faire des photos en 360. On aurait aimé ça que les élèves soient créatifs. Un peu plus à l'ouest de chez nous, quand même. Ils sont plus à Montréal-Nord. Non, je le sais, mais quand même. C'est quand même un bel environnement, mais c'est pas facile d'aller stationner, je vous le dis. Là. C'était la partie moins fun. Mais il est arrivé on était dans le contexte COVID, quand on a fait l'expérimentation, on s'était dit que cette activité-là peut se vivre en classe, elle peut se vivre en bascule. Mais là, l'enseignante, quand on a eu, on l'a accompagnée dans tout ça, elle a dit « OK, pour moi, ça s'arrête là ». On l'a respecté dans ce choix-là, mais c'est peut-être que quelqu'un qui aura le goût d'aller plus loin avec le projet qu'on va vous partager dans le clavardage. On ne va pas écouter la vidéo, là,
ce n'était pas l'objectif. On va poursuivre notre présentation. L'exercice bilan de notre an 2 a permis de faire une recension, c'est-à-dire une mise en commun des pratiques d'enseignement efficaces à distance. Cette recension, elle s'est faite à partir de l'outil que vous avez sous les yeux, qui est le Genially. Et on a même aussi pris le temps de recenser les ressources pour la discipline du français. Quand on a fait cet exercice-là, c'était vraiment dans l'idée de se faire une tête de ce que nous avions mené dans les premières étapes du confinement. Et je pense qu'on était un petit peu précurseurs dans le sens que, éventuellement, ce qu'on nous a demandé, c'est d'aller vers la création d'une trousse que l'on retrouve à l'intérieur de notre organisme, qui est une trousse qu'on nomme ici ma classe bascule. Donc, cette trousse-là, dans le fond, elle s'adresse à l'ensemble des enseignants de notre centre de service scolaire, mais c'est surtout une trousse qui leur permet de les soutenir, les supporter dans un cas de bascule. Alors, premier exercice, recension, c'est fait une tête. Et donc, on était très efficace quand on nous a donné, en fait, je ne veux pas dire le commandement 2, mais donné la mission de créer cette trousse pour aider nos enseignants. Ensuite, il y a une chose aussi qui était très intéressante dans notre an 2, c'est qu'on a pu avoir l'occasion de développer notre application pédagogique ou notre site pédagogique SharePoint en français, d'apprendre à créer, d'apprendre à déposer, comment gérer, c'était vraiment intéressant. Et aussi, on a profité, nous, à l'interne, on a toujours un feuillet qu'on appelle le communicant. Ce feuillet, c'est évidemment lié à notre discipline. Ça permet de donner de l'information ou d'amener des pratiques efficaces, de connaître des pratiques efficaces au niveau de l'enseignement du français, autant à nos CP, nos collègues conseillers pédagogiques, que les enseignants. Alors, notre intention, où on a transformé davantage notre communicant, c'est qu'on y a mis un apport beaucoup plus technologique, en fait, d'intégrer davantage des outils technologiques pour l'enseignement du français. Donc, ça a vraiment été une année assez productive, je vous dirais, là, dans le contexte de COVID. Dans le fond, l'outil Genially, c'est vraiment plus un bilan de... On visitait les dispositifs qu'on connaissait en français. Dans le fond, c'est juste de dire, ben oui, mais ces dispositifs-là, ils peuvent se lire aussi en cas de bascule. Marie, elle ne dit pas, mais il y a une classe qui a basculé pendant 10 heures du dîner. Fait que c'est encore une réalité, mais ça a l'air que ça va bien. On continue avec l'an 3. Je te laisse la parole, Claudine. Vous allez voir que pendant l'an 3, ce dont je vais vous parler, ça démontre un certain niveau d'appropriation du numérique. On l'a vraiment pu l'intégrer. Donc, on a mobilisé nos compétences dans différents contextes, bien entendu liés à l'enseignement et à l'évaluation à distance, mais aussi en salle de classe. Comme Marianne vous l'a dit, on a bâti la trousse de ressources pour les enseignants et si ma classe bascule. On a aussi bâti des planifications et des outils pour l'enseignement et l'évaluation à distance. Même si ce n'était pas ça le sujet de nos rencontres de développement, tout ce qui était l'enseignement à distance et tout ça, on est vraiment arrivé à accompagner les enseignants, puis même nos collègues CP, beaucoup mieux que si on n'avait pas vécu ce développement-là les années d'avant. C'était bizarre parce qu'on en est même arrivé à avoir de la difficulté à distinguer nos rencontres disciplinaires français, celles de notre développement numérique et même nos rencontres de table régionale en français avec les collègues des autres commissions scolaires, on réalisait qu'on mobilisait toujours les mêmes ressources ou à peu près les mêmes ressources. Donc, on réalise qu'on était vraiment arrivé à un niveau d'intégration supérieur. On a poursuivi la création de notre site SharePoint français au primaire. Puis, on a profité de la création de ce site-là pour mettre nos cadres de référence et nos outils en commun et de les diffuser plus facilement aux enseignants. Pour s'assurer que ce soit vraiment un répertoire partagé, on a travaillé, à ce moment-là, on était 8 dans le dossier français, maintenant on est 6. On s'est assuré de travailler à relais sur ce site-là. Donc, on avait un projet commun auquel on s'est engagé tout au long de l'année. Même si c'était variable selon les personnes et selon les moments de l'année,
on a été en progression tout au long de l'année. Quand on regarde le référentiel des CP, parce qu'on s'est aussi appuyé sur le référentiel des CP, étant donné que c'est notre outil de référence, on est vraiment dans les situations emblématiques accompagnées et innovées. Autant dans nos pratiques d'accompagnement, dans l'organisation de notre travail, que dans nos pratiques collaboratives. L'obligation de collaborer et d'accompagner à distance nous a bien entendu forcés à utiliser le numérique. C'est un choix là, du centre de service SharePoint. Ça reste quand même à l'interne, mais ça répond à leurs besoins. Mais quand on vit des beaux projets, au moins c'est diffusé pour l'ensemble du Québec avec le réseau Pédago numérique. Alors ouais. Voilà, on poursuit. Parlant de collaboration, en mars 2020 et jusqu'au début de l'année passée, on a accueilli 3 nouvelles CP dans notre équipe. Une d'entre elles a commencé 4 jours avant la fermeture pour le confinement et les 2 autres sont arrivées au début de l'an passé. Donc, l'arrivée de ces nouvelles collègues et tout le télétravail nous a obligés à revoir nos pratiques collaboratives pour que notre travail disciplinaire demeure efficace. La nature de notre travail avait changé, bien, vous le savez, là, je vous dis un peu des choses que vous connaissez déjà. Donc, la nature de notre travail a changé, nos modalités de travail aussi, puis les demandes de notre centre de service ont été nombreuses et ont été très variées. Donc, on a donc dû revoir nos rôles au sein de notre équipe pour que notre capacité à produire un travail se fasse équitablement, dans le fond, que ce soit réparti équitablement entre nous et que tout le monde se sente impliqué. On s'est aussi assuré que tout le monde ait une compréhension des tâches et des mandats et que les mandats soient partagés. Nos rôles et nos modes de communication ont été revus et on s'est assuré, parce qu'on se doutait bien que cette année, on serait encore dans un mode hybride et on ne voulait pas perdre les avancées qu'on avait faites pendant le confinement. On s'est assuré de penser nos pratiques collaboratives, les rôles dans nos rencontres, autant pour des rencontres à distance que des rencontres en présence. Donc, les rôles que vous voyez sur la diapo, on s'est vraiment mis une description de ces rôles-là, autant à distance qu'en présence. Ce document-là, on va pouvoir vous le partager. C'est sûr que... Il est en lien sur la diapo. La diapo, là, c'est marqué. Parfait. C'est sûr que ces ajustements-là ont eu aussi comme effet de ramener l'harmonie au sein de notre équipe. Le confinement et l'arrivée des nouvelles collègues avaient eu des effets peut-être un peu moins positif sur nos pratiques collaboratives, mais tout le travail qu'on a fait l'année passée, ça a eu vraiment un effet très positif sur nos pratiques collaboratives. Merci, Claudine. On va passer à l'an 3. À l'an 2 et l'an 3, il y a un co-développement qui s'est vécu, un co-développement à partir de la plateforme de livres numériques Biblius. Cette plateforme, d'ailleurs, depuis fin septembre, est enfin offerte à l'ensemble des enseignants de la province. On est très contents de ça. Il faut dire que depuis 2019, il existe une collaboration entre le ministère de l'Éducation et des collaborateurs du Centre scolaire de la Pointe-de-l'Île. Ayant pour objectif de développer du contenu pédagogique lié aux livres numériques se trouvant sur la plateforme. L'intention principale de cette collaboration était de démontrer des pratiques d'enseignement efficaces à l'utilisation de la bibliothèque numérique pour développer des apprentissages de lecture, de l'écriture et de même que de la communication orale, autant en salle de classe qu'en bibliothèque scolaire. Pour l'ensemble du projet, Julie devrait mettre dans le clavardage les ressources pour accéder aux ressources dans lesquelles vous trouverez, dans le fond, tous les guides de pilotage qui ont été créés liés à la SAE là, qui se rattache à la plateforme. Puis sur le site de la FCC aussi, il y a la présentation de ce matin. Ça va être une belle façon là, d'aller chercher l'information. Il y a une petite vidéo promotionnelle. Puis tu vois, Marie a dit qu'il faudrait quasiment qu'on la refasse parce que l'année passée, bien, on avait accès à 1000 titres comme on expérimentait. Puis finalement, la
présentement, la plateforme au niveau du national, on a 400 titres, autant 400 pour le primaire que pour le secondaire. Mais on n'écoutera pas la petite vidéo avec vous, même si elle est vraiment, vraiment mignonne. On s'en va maintenant avec notre collaboratrice au projet, Marie. Donc, à la fin de notre an 3, parce que comme je vous disais que Biblius s'est développé sur 2 ans, et ça, c'est véritablement à cause de la COVID, parce qu'on aurait souhaité que ça soit plus rapide, mais de notre côté, ça a été une très, très bonne chose, je vous dirais. Donc, à la fin de notre an 3, il a été constaté que depuis notre an 1, nos projets de développement numérique ne se limitent pas qu'à la collaboration entre les CP du RICI et nous, CP disciplinaires. La collaboration va bien au-delà de ça. Elle est beaucoup plus élargie parce que sur le terrain, on a beaucoup d'enseignants qui ont des super belles connaissances partagées en technologie et sincèrement, ils ont été des vecteurs de savoir auprès de nous autres également. Donc, on a commencé à les intégrer davantage dans nos projets et je vous dirais que c'est la même chose avec les élèves. Ce qui est intéressant, entre autres, avec Biblius, c'est toute la place qu'on a accordée aux élèves pour même me montrer à moi des choses, se montrer entre eux des choses et que l'enseignante a vraiment, malgré qu'elle était très, 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 très habile avec la technologie, laissait beaucoup la place aux élèves pour apprendre entre eux. Et ça, c'était vraiment, je vous dirais là, c'était vraiment, ça a un effet wow, vraiment. Donc, on a vraiment intégré ces précieuses collaborations à nos structures de travail. D'ailleurs, en ce qui concerne le développement de la situation d'apprentissage pour la plateforme Biblius, je vous dirais que la collaboration a été un ingrédient clé à sa création. Et puis, je vais vous inviter à écouter la capsule suivante. Justement, je vais vous donner l'intention d'écoute qui est de porter attention aux partenaires de la collaboration dans le projet Biblius. Bonjour, je m'appelle Julie Gagnon et je suis bibliothécaire au Centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île à Montréal. La littérature jeunesse est au cœur de ce projet-là, mais plus spécialement de le documentaire. Donc, on a bâti un projet autour de la collection de Les Petits Dégoûtants d'Élise Gravel. Puis ce projet-là a été vécu en classe et à la bibliothèque scolaire. J'ai beaucoup apprécié ma collaboration avec la bibliothécaire. D'une part parce qu'elle est venue me sensibiliser à l'importance d'utiliser la bibliothèque, pas seulement comme un lieu de lecture libre, mais un endroit d'apprentissage où on va consulter les livres. En fait, c'est comme une extension de la classe, la bibliothèque. Mon rôle aussi, c'était beaucoup de soutenir l'enseignante pour lui suggérer des documentaires, des œuvres de littérature jeunesse. À la commission scolaire, moi, je suis responsable du dossier Biblius. C'est une nouvelle plateforme de prêt de livres numériques consacrée au milieu scolaire. Puis, mon centre de services scolaires est l'un des 17 milieux qui a été approché par le ministère pour participer à un projet de déploiement restreint de la plateforme. Le livre numérique, ça fait longtemps que c'était demandé en milieu scolaire, mais la gestion était plutôt difficile. Donc, le ministère a décidé de déployer cette plateforme de prêt de livres numériques-là. Mais ce qu'on voulait aussi démontrer dans le cadre de ce projet-là, c'est que c'est pas oui, il y a de la lecture loisir, mais comment on peut faire aussi des projets pédagogiques, comment le livre numérique peut être utilisé de façon pédagogique avec des élèves en classe. On nous a demandé d'expérimenter avec une enseignante dans une école primaire, donc une collaboration est née de cela. Moi, j'ai été amenée à collaborer avec une enseignante de troisième année et ses élèves, ainsi que 2 conseillères pédagogiques, pour concevoir et planifier une activité pédagogique en lien avec l'utilisation du livre numérique sur Biblius. Moi, comme professionnelle, ça m'a apporté beaucoup. J'ai vu comment, lorsque 4 professionnels, enseignantes, 2 conseillères pédagogiques et une bibliothécaire travaillent ensemble, ça pousse la réflexion plus loin. Tout le monde apportait son expertise. Moi, j'ai apporté mon petit clin d'œil par rapport à la bibliothèque, par rapport aux ressources. Les conseillers pédagogiques ont beaucoup appuyé au niveau d'utilisation d'outils plus technologiques, au niveau au niveau aussi de la PDA, au niveau des cadres, au niveau... L'enseignante, elle nous amenait beaucoup son input par rapport à ses élèves, puis à qu'est-ce qu'elle voulait voir au niveau de la réussite de ses élèves en classe. Puis moi, ça m'a donné la chance aussi d'être dans la classe souvent dans ce projet-là.
ce que j'ai pas toujours cette opportunité-là. J'ai trouvé ça vraiment agréable que mes élèves puissent la côtoyer. D'une part, pour comprendre bien, qu'est-ce que c'est être une bibliothécaire, c'est quoi ce métier-là, mais aussi pour pouvoir échanger avec elle et puis avoir des suggestions de livres. Donc, ça a été vraiment enrichissant pour tout le monde. Mais la bibliothécaire scolaire, c'est plus que juste partager des titres de livres. C'est vraiment un guide. Elle peut vraiment aider à la planification d'activités. Et pas juste ça, c'est elle qui est l'experte en droit d'auteur, en compétences informationnelles. Nous autres aussi, on a fait des apprentissages dans ces allers-retours-là qu'on ajustait au fur et à mesure qu'on visait la SAE. Alors voilà, et on revient à notre intention d'écoute. Et vous, dans votre milieu, avec qui collaborez-vous dans la planification d'activités pédagogiques? Avez-vous la chance de travailler avec des bibliothécaires? On voit que enseignants, conseillers pédagogiques ressortent plus fort. Bibliothécaires, bien, ça dépend. Il y a même des centres de services qui n'ont pas de bibliothécaires. Autres professionnels, les récits locaux. Direction, pas beaucoup aussi. Ça dépend aussi de nos mandats. Vous, dans votre travail, les filles, ça fait partie de votre quotidien. Ils travaillent en collaboration continuellement avec leur direction, là. Alors, on voit ces enseignants, beaucoup conseillers pédagogiques et les récits. Est-ce qu'il y en a qui voudraient nous partager des expériences? Le mot de la bonté, moi, je suis au Récit national de l'univers social. Donc, je suis aussi à la CSSPI, il faut que je m'habitue. Donc, on a quand même beaucoup, je réalise qu'on on a beaucoup travaillé en collaboration, oui, tu sais, avec CP disciplinaire, CP récit et enseignant, tu sais, le plus possible ensemble. Mais j'étais quand même curieuse parce que je trouve que, wow, tu sais, c'est vraiment un luxe de vous être donné un accompagnement sur plusieurs années. Puis je voulais savoir, admettons, pour toi, Julie, tu sais, en tant que récit national, t'accordais à peu près, tu sais, combien de jours ou combien de rencontres par année, tu sais, à accompagner les conseillères pédagogiques d'un seul centre de services scolaires? C'est une bonne question. Dans le fond, la première année, il y avait plus de journées de rencontres. On a diminué les temps de rencontres avec les CP. On fait vraiment des journées. Puis c'est vraiment un temps où le matin, on réfléchit, puis l'après-midi, bien, on est en co-développement. Quand il arrive un projet comme Bibius, ça se rajoute. Tu sais, dans le fond, on a comme prévu 4 rencontres. C'est ça, les filles à peu près, fait qu'on les répartit tout au long de l'année. Mais à travers ça, bien, quand il y a des projets qui vont avec un besoin du milieu, là, la plateforme Bibius, je dirais que ça a été un des plus gros projets parce que sinon, avec Sylvia, ça n'a pas été si long que ça, cet accompagnement-là. Réalité virtuelle, ça a pris quelques rencontres. C'est sûr que ça prend des temps de rencontre pour co-développer, puis ça prend des temps où on va expérimenter puis donner du support. Après ça, bien, il y a la partie là, qui appartient au récit national de diffuser cette information-là pour que ça soit accessible à l'ensemble du Québec, que toutes ces belles ressources-là qui sont co-développées. Fait que je ne sais pas, j'ai été peut-être quoi 10 fois en classe l'année passée, mais c'était un luxe. Là, c'était la seule école, j'avais une permission spéciale, on était dans le temps de la COVID, je mettais la visière, les ci, les ça, le push-push, ces bureaux, j'essayais d'aider. Puis la caméra, je l'oubliais. Là. Moi, mon importance, c'était vraiment d'aider sur le terrain. C'est ça, mais c'est exceptionnel parce que normalement, je ne vais pas autant que ça. Là. Mais si tu me permets, Julie, parce que nous, on a compté nos jours dans notre calendrier, fait que je peux répondre en partie à cette question. C'est que nous, c'est 4 jours en présence avec Julie, puis il y a des demi-journées pour chacune de ces journées-là où on fait de la planification. Et après, de là, il y a toujours un projet que Julie, elle supporte un peu plus. Alors moi, je vais prendre l'exemple du projet que j'ai fait avec elle. C'est sûr que le jour du tournage, on a pris un temps de planification, le jour où on a vécu l'expérimentation en classe de filmer. Et après, il y a toute la partie montage qui, je pense, a exigé du temps. Mais je veux dire, à chaque fois, chaque année, il y a un ou deux projets où Julie, elle vient nous soutenir un peu plus. Et ça, c'est un nombre de jours. Fait qu'on pourrait aller jusqu'à 10. Je m'excuse de répondre à cette question parce que nous, on nous demande de faire cet exercice. Donc, on est capable vraiment d'aller. Après, je ne sais pas les détails, mais je me rappelle que tu m'as dit que le montage, ça avait été très long. Donc, je pense que c'est un temps aussi conséquent à ajouter. Non, c'est vrai.
Si je comprends bien, dans le fond, tu sais, oui, il y a les rencontres avec toutes les CP, mais après ça, selon les projets de certains enseignants, j'imagine que là, il y a comme des micro-équipes qui sont formées par la suite. Tu sais, Julie va accompagner plus précisément sur un projet. Puis là, ce n'est pas toutes les autres CP qui vont, par exemple, être sur le projet de réalité virtuelle, mettons. Nadine en accompagne certains, des fois Julie d'autres, des fois les deux ensemble. Il y a toute cette diversité-là aussi dans l'accompagnement pour que tout le monde puisse avancer, même si ça n'aboutit pas à un film qui va sur le pédago numérique. Puis là, la prochaine, ça va peut-être être Claudine. C'est ça, je fais des blagues parce qu'on essaie de, dans le fond, que tout le monde ait la chance aussi parce que ça leur permet d'aller plus loin au niveau de cette réflexion-là. Je pense que Claudine, mais ça dépend aussi des besoins du milieu. On ne veut pas arriver avec un « voilà, on a une idée de projet, c'est pas ça, il faut que ça vienne des besoins du milieu ». Là, après, quand on a le besoin, est-ce que ça se colle? Est-ce qu'on peut faire quelque chose qui serait intéressant? Là? Mais c'est sûr que les BIUS, en plus, il y avait comme un mandat qui venait du ministère, puis on voulait, elle le dit, la bibliothécaire, il ne faut pas juste que ça soit des livres qu'on prend puis on lit de façon silencieuse. Il faut que ça devienne un outil d'enseignement et d'apprentissage. Les filles, on leur a partagé la semaine passée la version bêta de notre atelier ce matin pour qu'eux aussi soient au courant pour qu'ils puissent diffuser cette bonne nouvelle-là, là, le passage. C'est ça que je m'en allais dire. T'sais, c'est ça, là, les projets que certaines développent, ben, les autres, ils ne les ont pas nécessairement vécus. T'sais. Fait que là, on a commencé à ça. Puis, Puis, tu sais, moi, je fais un bout avec Julie aussi parce que là, une fois qu'on a fait le projet de réalité virtuelle, ben, tu sais, j'ai produit des choses. Des fois, je fais des petits tutoriels. Fait que ça permet de compléter avec certains outils que moi, j'ai. Tu sais, comme tantôt, là, la suite Smart, ben, elle l'a pas, là. Moi, je l'ai. Fait que c'est moi qui a fait les bouts, tu sais, qui a fait les tutoriels. Puis là, il a fallu que je m'approprie Google Earth cette année parce que le Tour Creator, que j'avais appris avec le Récitus, là, il a disparu. Fait qu'il a fallu que je transfère tous mes contenus puis que je m'approprie tout ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. On va poursuivre avec notre an 4. Je sais plus. Alors, l'an 4, alors vous vous rappelez que moi, je présentais l'an 1. Alors, l'an 1, on arrivait en se disant, on embarque dans un projet numérique, on va acquérir plein d'outils numériques. On s'est rendu compte que ça ne s'arrêtait pas là, que c'était une compétence numérique à acquérir. Je pense que dans l'enquête, on peut dire qu'on a compris le principe de compétence et encore plus avec le contexte qu'on vient de vivre. Donc, on a développé beaucoup de compétences numériques au cours de cette dernière année, on va dire. Et là, maintenant, la question qu'on a à se poser, c'est comment on va poursuivre finalement le développement des autres compétences numériques auprès des enseignants et des élèves, mais dans une idée de transfert dans la salle de classe. Alors, tout ce qu'on a acquis en enseignement à distance, comment on va pouvoir le vivre maintenant, mais dans les salles de classe et pas uniquement dans l'enseignement à distance. Donc, on a vraiment des questions au niveau du transfert et de la pérennité. Puis là, on a déjà une rencontre cette année, puis on commence à avoir un objet de travail qui se dessine. C'est sûr qu'on est beaucoup à regarder comment offrir des services à distance qu'avant on n'offrait pas, comme la correction collective. Alors, on est à se questionner justement comment on va faire le transfert dans la salle de classe pour cette année. Donc, on est à faire aussi une prise de recul. On ne s'est jamais vraiment posé la question dans quel dispositif de travail on était. On a juste essayé d'évoluer, de trouver des stratégies pour rester engagé, poursuivre notre but commun. Mais on ne s'est jamais vraiment questionné dans quelle sorte de structure on travaillait. Puis la prise de recul, on l'a fait un peu, on ne vous le cache pas, en préparant l'atelier d'aujourd'hui. Alors, on va vous faire un petit jeu pour justement vous questionner, d'après vous, vers quoi, quelle sorte de fonctionnement on s'est en allé. Donc, quels sont les éléments essentiels d'une communauté de pratique professionnelle que vous pouvez, on imagine, observer dans la démarche qu'on vous a présentée. Alors, vous comprenez en sous-texte qu'on a un peu la prétention d'être une communauté de pratique professionnelle. Alors, on voit apparaître ouverture. Pratique collaborative, collaboration. Garder des traces. On garde des traces, on a des journaux de rencontres. Et là, j'ai un plan d'action. La cohérence est beaucoup ressortie en lien avec les actions qu'on a à soutenir dans les milieux et comment on répond à ces actions en intégrant le numérique.
Observation et régulation pendant l'expérimentation aussi, oui, effectivement. Comme à un moment donné, un exemple, on avait tellement appris à intégrer des outils que quand on donnait des formations auprès de nos collègues, on en utilisait une tonne. Donc ça, c'est le principe du changement. Hein. Quand on s'approprie des choses, on fait une utilisation excessive, puis après, on revient à la normale. Fait qu'on s'en est rendu compte. Puis on s'est dit, on va être plus modéré avec les profs. Là, c'est nos collègues, ça passe, mais... Mais c'est comme des enfants, quand ils commencent à faire des nouveaux pas, ils continuent exactement de la même façon. La volonté, se donner du temps, malgré tous les mandats que les filles reçoivent de leur direction. Mesurer l'impact sur les pratiques des profs et les apprentissages des élèves, clarifier les rôles et les responsabilités. Ça a été un gros travail, la clarification des rôles et responsabilités, parce qu'on s'est rendu compte avec les premiers jours du confinement qu'avoir les outils de communication et savoir les utiliser, c'est une chose, mais la compétence à communiquer à distance, elle est très différente de celle en présence. C'est ce qui a amené le gros travail avec la description de nos tâches à distance versus en présence. Donc là, on voit vraiment la distinction entre savoir utiliser l'outil et avoir la compétence. Engagement initial, ça aussi, c'est une très grosse évolution. Au départ, il y avait un intérêt et à la fin, on a développé un engagement mutuel dans notre travail collaboratif en utilisant l'éthique. Mais ça a été vraiment une évolution très majeure, surtout la dernière année. C'est beau de vous voir évoluer. Il n'y a plus de bras croisés, là. C'est fini, ça. Je trouve ça tellement le fun, tu sais. Puis c'est, vous êtes mon exemple d'un développement professionnel qui a vraiment été efficace, puis qui a fonctionné, puis qui est dont je parle tout le temps. Je vois apparaître le mot cohérence. Là aussi, on a un bel exemple. Quand il a fallu faire le SharePoint, il a fallu mettre en commun nos ressources. Puis on s'est rendu compte qu'on n'utilisait pas tous les mêmes ressources. Donc, en plus de créer le SharePoint pour le rendre accessible à toute la CS, il a fallu qu'on fasse un travail de mettre en commun nos ressources, faire des choix, se dire pourquoi on privilégie tel outil et tel outil, pour vraiment avoir plus des ressources communes. Puisqu'il y avait des nouveaux CP, des CP d'expérience, des gens qui sont là depuis longtemps, il fallait reconvenir des ressources. Et le SharePoint, on pensait que ça allait être très simple, qu'il suffisait de l'organiser, puis on s'est rendu compte qu'il y avait tout un travail de cohérence à avoir entre nous sur l'utilisation de nos ressources, qui a été la source de beaucoup de conflits au départ, parce qu'on n'avait jamais réalisé cet aspect-là. Quand on l'a compris, on s'est dit, on va s'y mettre. Donc, vous avez nommé beaucoup, je pense, des traces dans ce que vous nommez, qu'on a essayé de faire ressortir au cours du témoignage. Puis, c'est chouette de voir que ça ressort dans le Wood Club. Effectivement, comme communauté de pratique, on s'appuie sur trois éléments fondamentaux. Un engagement mutuel de ses membres. Nous, ça a été vraiment jusqu'à, comme une cape, on a été développer des valeurs communes et des règles de fonctionnement, comme on vous l'a dit avec l'outil. Des buts communs. Chaque année, on a reconvenu dans notre plan d'action vers quoi on voulait travailler et comment on allait s'y prendre, dans quelle modalité. On a parlé, des fois, on était à plus de jours au début, on a diminué le nombre de jours, la forme des travaux a changé, puis ça a évolué qu'à la fin, on ne faisait plus la différence entre le disciplinaire et les journées de développement numérique. Donc ça apparaît dans notre plan d'action disciplinaire en français. Donc c'est vraiment quelque chose qui est travaillé à chaque année. Et un répertoire de connaissances partagées. Donc, on vous a montré plusieurs outils, le SharePoint, le Genially qui nous a permis d'alimenter la trousse à distance, qui nous montre comment on a travaillé finalement à partager nos ressources et de plus en plus où on intègre naturellement le numérique dans les ressources qu'on choisit. D'ailleurs, à cet effet, par exemple, on s'est des fois créé du matériel de formation, comme moi, la vidéo que je vous montrais, j'utilise en formation pour montrer aux profs comment créer des lectures interactives avec les TIC et je leur démontre à quel point c'est un apport de plus pour enseigner le français et comme ça engage plus les élèves. Donc ça, mes collègues ont utilisé également ces vidéos pour faire des développements, c'est sur notre SharePoint, donc on utilise aussi cet endroit-là pour se créer du matériel de formation. C'est un peu plus dur pour moi, je vous dirais, de l'utiliser parce que c'est toujours bizarre de donner une formation puis de se mettre en modèle après. Ça, c'est le seul truc que je n'avais pas pensé quand je l'avais fait, mais ce n'est pas grave. C'est pour te compléter, Sylvia. C'est beau de déposer des trucs sur réseau pédago numérique, mais il y a quelque chose qui reste essentiel, c'est l'accompagnement.
Je veux dire, oui, c'est un, il y a des ressources, il y a le guide de pilotage, mais après ça, c'est pas juste, les gens, ils ont besoin d'être accompagnés. Puis on dit, ah ouais, on a l'air simple, oui, tout est là, mais l'accompagnement, fait que même Sylvia, elle utilise ces ressources-là en accompagnement. Elle ne donne pas juste accès. Là. D'ailleurs, on a créé une vingtaine de lectures interactives éthiques avec les différents accompagnements que j'ai faits. Et puis d'autres aussi. Là, maintenant, les gains CP, les gains enseignants-élèves, je vais vous en nommer un à chaque fois. Bah, c'est certain, comme ça avait été dit dans la vidéo, c'est comme CP, ça permet d'innover dans un contexte de formation et d'accompagnement. Moi, je ne vous cache pas, ça fait longtemps que je suis CP, donc il y a des choses que je vois qui sont difficiles parfois, puis je me dis, ah, comment je pourrais faire autrement pour combler. Et c'était vraiment ça, la lecture interactive et l'éthique, là, ça répondait vraiment à un besoin dans mes accompagnements. Et j'ai vraiment trouvé mon compte là-dedans. Donc, c'est sûr que ça permet de revoir, surtout quand on abîme au contenu, ça permet d'aller plus loin pour explorer avec le numérique. Donc, c'est très intéressant. Puis surtout, avec les CPTIC, là, c'est toutes les possibilités que vous nous apportez et auxquelles on ne pense pas qu'ils sont possibles. Ça, c'est vraiment intéressant pour continuer d'innover. Comme enseignant, bah, c'est sûr qu'on développe la compétence numérique. Puis aussi, on développe beaucoup avec eux l'aspect de faire confiance et se faire confiance. Puis moi, quand je me suis mis en modèle, puis que j'aurais montré que moi, je l'ai expérimenté pour la première fois, bah, je trouve que c'est une façon de leur montrer, bah, regardez, moi, je le fais. Donc, on se met tous dans cette posture-là. Mais c'est important que nous aussi, comme CP, on le fasse et qu'on le nomme. Parce que ce n'est pas évident quand on se dit, bah, là, on arrive devant notre classe avec les outils TIC, est-ce que le réseau va bien fonctionner, est-ce que l'activité, il y a tout ce stress-là, bah, faut montrer que nous aussi, on le vit, quoi. Donc, l'idée de se mettre en modèle par rapport à ça, je trouve ça intéressant. Et puis, ça donne à l'enseignant l'opportunité de le faire. Et ensuite, élève, moi, je dirais, c'est de recevoir un enseignement, évidemment, plus dynamique et plus interactif. Moi, j'aime beaucoup les lectures interactives. Ce qui m'a toujours déplu, c'est un élève à la fois qui répond, puis les autres, on ne sait pas trop s'ils s'engagent. Avec ce fonctionnement-là, je vois tous les élèves qui participent à l'animation de la lecture. Je trouve ça extrêmement intéressant comme dispositif. Bah, là, j'ai pris cet exemple, mais il y en a plein d'autres que je pourrais nommer avec ce qu'on vous a présenté. Donc, voilà. Pour les gains. Je profiterais de dire, en fait, si vous avez cité au symposium du ministère, il y avait questionné les élèves hein, sur qu'est-ce qu'ils ont tiré, côté, en fait, quel était le bénéfice d'être en enseignement à distance. Puis les enfants l'ont dit, ils trouvaient que leur classe était beaucoup plus dynamique, beaucoup plus d'interaction. C'est intéressant de le retenir que, justement, la part numérique amène ça, effectivement, même en salle de classe. Donc, pour ce qui est du modèle de Rabi, après toutes ces années de développement, l'impact COVID qui nous a précipité dans l'innovation, l'appropriation de l'univers du numérique en pédagogie, est intéressant pour moi de refaire l'exercice un peu comme ma collègue Claudine le fait en tout début de présentation. Là, je suis rendue à ma quatrième année. Donc, où je me situe dans cette échelle? Bien, c'est sûr que moi aussi, là, je veux dire, je peux me situer, je sais davantage utiliser déjà ma plateforme Teams, qui est ma plateforme à privilégier dans mon organisme. Donc, je dois savoir comment bien me débrouiller, mais aussi me mettre comme modèle auprès des enseignants que j'accompagne. Donc, j'ai encore des enseignants qui ont des défis avec la plateforme. Je vis encore de l'accompagnement de bascule à distance, mais je me sens vraiment beaucoup mieux. C'est certain qu'au niveau de l'utilisation personnelle, moi aussi, je me débrouille davantage à gérer même la boîte courriel, à gérer aussi le fonctionnement des dossiers, du tri des dossiers, il y a quelque chose qui est beaucoup mieux compris. Pour ce qui est de l'utilisation professionnelle, je sais davantage aussi quels outils choisir en fonction de ce que je veux atteindre chez le participant qui vit une formation ou l'enseignant qui vit un accompagnement. C'est d'autant plus facile pour moi là, de comprendre en quoi cet outil peut être plus efficace. Par contre, je dois dire que il reste que la technologie évolue très, très rapidement encore aujourd'hui et que souvent, toutefois, je me retrouve encore à la case sensibilisation. Mais où mon attitude a changé par rapport à ça, c'est que, puis je l'ai dit tantôt, on a beaucoup davantage pris, en fait, le constat que
Tous les collaborateurs qui gravitent autour de nous, dont l'enseignant et particulièrement les élèves, sont vraiment des ingrédients clés justement à me sortir rapidement de ma zone, peut-être de sensibilisation. Donc, oui, je suis vulnérable, mais c'est correct. J'aime ça, les essais, les erreurs, puis j'aime ça dire qu'un élève m'apprenne. D'ailleurs, quand j'étais beaucoup en classe avec le projet Biblius, c'est fou ce qu'ils m'ont appris, les élèves, là. Donc, c'est vraiment de se faire confiance, mais aussi comme pédagogue, autant moi que l'enseignant, c'est de travailler notre résistance à laisser les élèves s'impliquer, à montrer, comme moi, je l'ai déjà dit dans les diapos précédentes. Puis je pense que ça, bien, ça fait que ça, on reste motivé à, ah, oh, il y a un nouvel outil, mais il faut faire attention aussi, comme je pense Sylvia l'a nommé, on est submergé d'outils. Puis ça, on l'a vécu un petit peu dans le contexte d'enseignement à distance, on s'est retrouvé avec un paquet de belles choses, un paquet de... Mais là, je disais toujours à l'enseignant, où ta zone de confort? Puis commence par petit. Puis, tu sais, l'idée, c'est vraiment d'y aller graduellement là-dedans aussi pour ne pas se démotiver, justement. Et là, à un moment donné, quand on vient, qu'on développe cette confiance et cette aisance, bien forcément, dès qu'il arrive quelque chose de nouveau, on a le goût. Mais il faut toujours revenir à se questionner un petit peu comme quand on planifie notre intention pédagogique derrière une planification de séquence d'enseignement. Bien, c'est la même chose. C'est quoi l'intention vis-à-vis un outil numérique que je m'apprête à utiliser? C'est dans quel but? C'est ça aussi, ça a été intéressant de se développer ce questionnement-là. Chaque fois qu'on voyait un outil, ben à quoi, pourquoi, dans quel but. Donc, voilà. Alors, nos références, ça a évolué aussi. On a commencé avec Rabi, mais on a eu entre-temps, on a eu le référentiel de l'agir compétent des CP. On est capable de situer de se situer dans les situations emblématiques. C'est un peu redondant. En tout cas. Puis ensuite de ça, on a comme innover puis accompagner. Puis on a le cadre de référence à compétences numériques aussi. Donc, on se sert maintenant puis qu'on a plus apprivoisé puis sur lequel on s'appuie pour aller plus loin aussi puis se donner d'autres objectifs. Fait qu'on continue à se l'approprier puis à se situer dedans puis à essayer d'avancer puis c'est ça. C'est là où on en est pour nos cartes de référence. Et voilà. Puis, on apprend tous des uns des autres, autant moi que les filles. C'est vraiment un bonheur de travailler avec vous. C'est un bonheur aussi de co-animer parce qu'on n'avait pas eu cette chance-là. Quel luxe de s'être donné ce temps-là. Je pense que ça a été vraiment, oui, c'est un luxe. Puis autant, tu sais, pour moi aussi, là, de pouvoir vraiment travailler avec elle parce que moi aussi, j'ai grandi dans ma façon d'accompagner, mais d'avoir pris le temps de se donner le temps. Là. On espère que ça va vous inspirer, tu sais, cette façon-là de travailler en communauté professionnelle.